On se retrouve pour un deuxième carnet de plongée. Alors aujourd'hui, on va aller plonger sur le spot de la couronne, près du phare. C'est un spot que je ne connaissais pas encore, malgré que je me suis souvent promené vers là-bas, mais j'avais pas fait la plongée encore, parce que généralement j'allais à Bautalia. Pour les infos, il faut se garer sur le parking à côté du phare. Après, il faut traverser un petit peu de verdure, comme vous avez pu voir. La mise à l'eau, elle se fera soit de la roche, soit de la petite plage. Alors si on part de la petite plage comme j'ai fait, il faut marcher un petit moment avant de pouvoir vraiment avoir un peu de profondeur pour pouvoir commencer à s'équiper et entamer son immersion. Alors c'est un spot, il faut vraiment y aller par mer calme, parce que si c'est houleux, d'ailleurs c'est bien marqué au niveau du parking. Là, je vais débuter mon immersion. Alors, au niveau des conditions de plongée, ce jour-là, elles étaient assez exceptionnelles. J'avais vraiment une super visie, comme vous allez le voir. Ouais, le spot est vraiment beau. Franchement, je pense que je vais y aller d'autres fois encore pour essayer d'explorer un peu plus l'endroit. Parce que j'étais assez limité quand même, hein. J'ai fait une plongée de 30 minutes parce que j'avais vraiment froid. L'eau, elle était assez froide. Du coup, après toute la plongée, ça a été vraiment le top, un super spot. Voilà, comme d'habitude, hein, je commence par vous montrer ma Longines Conquest qui en est à sa troisième plongée. Donc, toujours pareil, un top, hein, aucun souci avec. Là, en profondeur max, je crois que je suis allé à 12-13 mètres. Alors, c'est un spot qui peut vous emmener jusqu'à 14 mètres. Vous allez y voir une faune et une flore assez intéressantes parce qu'on est près d'une zone protégée, une réserve marine. Donc il est interdit de pêcher ou de faire toute activité nautique. Alors faut savoir que moi je plongeais vraiment à la limite de cette zone, hein. Je suis pas allé à la zone parce que je crois que c'est même interdit en plongée à bouteille. Voilà, bah, c'est vraiment une super plongée. Je vous laisse un peu regarder tout ça et on se reprend après. Je reviens vous, je vais vous parler un peu des paliers de plongée, des paliers de décompression notamment. Il faut savoir qu'en plongée, on a deux notions très importantes qui vont être la profondeur et le temps. On va toujours prendre la profondeur maximum et on va prendre aussi le temps à laquelle on va commencer à refaire sa remontée. Donc on aura notre temps de plongée qu'on va additionner donc avec notre profondeur et à partir de là, sur notre tableau. Généralement, moi j'utilise celui-là du MN90. Il y a plusieurs tableaux de décompression. Celui le plus utilisé, c'est celui-là. On va après pouvoir définir nos paliers, tout simplement. D'où l'importance d'avoir une montre qui fonctionne bien, évidemment, et un profondimètre aussi qui fonctionne bien. Après, bien sûr, on peut ajouter à ça tous les instruments modernes qu'on a actuellement, que ce soit les ordinateurs de plongée ou les montres ordinateurs. Mais je pense que d'avoir en plus un profondimètre et une montre automatique classique, c'est vraiment une sécurité supplémentaire. Moi, il se trouve que pour moi, j'utilise que ma montre automatique, mon profondimètre, mes tables de plongée. Après, actuellement, je fais des plongées qui sont pas extrêmement profondes, donc je sais que je rentre pas dans des zones de palier. Allez, je vous laisse finir la plongée tranquillement et profitez bien.
j'arrive à la fin de la plongée. Donc au niveau de mon carnet de plongée, bah, j'aurais été à 13 mètres, je crois, au maximum. Et 30 minutes au niveau du temps. Donc c'était une plongée très agréable avec une super visibilité. Beaucoup de choses à voir. D'ailleurs, j'avais même pas assez de place sur la caméra, j'aurais pu filmer encore beaucoup plus longtemps. Bon, c'est pareil, je peux pas faire des films qui durent une plombe, sinon ça va pas être très intéressant. En tout cas, moi je me suis bien régalé, j'espère que ça vous aura plu, et puis on se retrouvera sur un prochain carnet de plongée.